Bref. Souvenez-vous, il y a longtemps, nous avions prévu de faire un donjon dont nous étions équipés pour y aller. Alors on a joué très très safe dans ce donjon, puisque vu qu'on est un petit peu à mal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer, on n'a pas assez d'argent avec le stress des autres qui sont revenus, etc. Il faut absolument que dans ce donjon, on ressorte avec pas mal d'HP et peu de stress. Enfin, on va essayer du moins. Du coup, on a pris beaucoup de bouffe exprès, beaucoup de pelles, beaucoup d'items pour interagir avec tous les items du donjon. Et on va voir ce que ça donne. Bon, après, ça fait très peu de place pour les loots, mais on verra. On verra. Peu importe, au pire, eh bien, on jettera des items et ce sera que des centaines de gold gâchés, pas des milliers. Hein ? On verra bien. Allez ! C'est parti. Alors voyons la taille de ce donjon. Ah, il est grand mais il est linéaire. Du coup c'est plutôt pas mal. Ok, un piège, bon je pouvais pas l'éviter malheureusement. Il blight. Anti-venin. Allez, voilà. Vous voyez, j'ai pas fait de prendre des loots. Ah, un bandage, tiens. C'est pas mal. J'ai eu un bandage. Let's go. Du coup tu gaspilles ton argent parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Non, parce qu'en fait le fait d'avoir 1000 gold ne fait pas une grande différence. Bienvenue à Mystirs qui vient de s'abonner. Merci à toi de t'abonner à la Zerator Télévision. Ça me soutient beaucoup, merci beaucoup. Belle. Go kill du porcinet. Merci petit peton, mais je ne sais pas, je crois pas que c'est un donjon à porc parce que c'est une forêt. Du coup on va plutôt avoir de l'araignée. Moins 20% damage. Ah oui, il a toujours ça lui, c'est vrai, à cause de... machin, il s'est fouetté trop fort. Il s'est fouetté trop fort, et oui. Quel dommage. Outlaw, alors. Tentons de le stun. Est-ce qu'on va réussir à le stun? Resist. Moi je m'en fous des damage. C'est retour du stream. C'est bien, quadruple dodge. Devinez. Merci de ta donation. Merci beaucoup. Mon chouchou qui est trop chaud. Mon chouchou qui est vraiment notre MVP, qui est vraiment notre chouchou. Et Tia... Ouais. Triayep. Triayep vient de s'abonner, bienvenue à toi et merci de ton abonnement sur la Zerator Télévision. Évidemment, bienvenue. Ça c'est de la strat de dépenser pour jeter à la poubelle. Darkar, calme-toi, je veux dire, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez-moi, vous en serez les premiers informés. Qu'est-ce que c'est que ça? 22 HP. Bon, faut focus lui de toute façon, hein, le gros porc là. Heureusement c'est un bleed de 3. Bam, bleed de 6. Bon là il bleed sur 6, du coup il va mourir. Donc on pourrait faire Inspire and Cry, Stress Heal 5. Ça fait Heal 1, 2. Donc faisons ça. J'ai envie de faire ça parce que lui il va mourir de toute façon. Donc ne gâchons pas un truc, préférons de buffer quelqu'un. Voilà. Au moins on l'a buffé, il a perdu un peu de stress. Bon c'est toujours ça de prix quoi. Le Blanket Fire qui est toujours l'attaque la plus chiante du jeu. I need a healer. I need a healer. Allez, un petit heal de 6 dans ta gueule. Et là, juste après, un party heal ferait bien plaisir. Meurs. Le Blanket Fire. Attends, mais il a combien d'HP? Oh putain, il a masse. Oh non. Allez, bam, double dodge. Heureusement, j'ai quasiment tout dodge. C'est sympa. Bam, bam. 6-6, c'est insuffisant, malheureusement. C'est insuffisant. On va se reprendre un Blanket Fire. Non, ça va. Oh non, mec. Non, mec, t'as 1 milliard d'accuracy. C'est vrai, je suis ton chouchou. Ah, mon chouchou, c'est clairement le chouchou du groupe. Je vous le dis, hein. Shank. Ok, bon, d'accord. Ça bleed. Tu vas te self-heal de 4. C'est vrai qu'il a ça, j'avais oublié qu'il avait ça. Donc là, à mon avis, un party heal. Et après, on le finit. J'espère juste qu'on n'aura pas le malaise de stress. Le malus de stress, pas le malaise de stress, n'importe quoi. Bandage. Bandage, j'ai dit. Voilà. T'as combien de stress? 12 et L4. Donc fais-le sur toi-même. Voilà, 2-2-2-2. Et là on finit. Est-ce qu'on a le truc du stress? Ah putain, fais chier. Bon, c'était de la merde. Du coup, c'était de la merde ce que j'ai fait. Alors, Strongbox. Donc la Strongbox, je crois qu'on ne peut rien faire avec. Strongbox, voilà, il n'y a pas d'item, on peut pas mettre d'item dessus, rien ne fait effet. Et là, on va commencer à avoir des problèmes. Car il faut qu'on se sépare d'un objet. Mais on va jeter la jade. Car la jade, ça vaut que dalle. En espérant qu'on trouve de quoi interagir avec des objets sur la route. Voilà, genre ça.
On prend ça, on va mettre un bandage dessus. Bon, malheureusement, ça me libère pas d'espace. Mais c'est toujours ça. Ah, des slimes, formidable, j'adore les slimes. Super, on a été surpris, super, génial. Génial, on peut rien faire avec lui, cool. Génial, on peut rien faire avec lui, cool. Ah, et en plus, il est... Ah ouais, d'accord. Ah, lol. Lol. C'est super très lol, parce qu'il n'a pas de Holy Lance. Ah si, il l'avait, pourquoi il ne peut pas la faire? Pourquoi il pouvait pas faire sa Holy Lance? What? Ah, parce qu'ils étaient mal... Ah, parce qu'il y en a que deux, et maintenant il pourrait la faire. Oh là là, c'est de la merde ce jeu. C'est nul. J'aurais dû la déplacer. Qu'est-ce que je fais là? Je suis con, quoi. Complètement con. Hein. Cytokinesis. Et bonjour, un slime de plus. Oh, super. Oh, il va faire take aim à vie, tant pis. Voilà, maintenant il peut Holy Lance. Là, il se déplace. On va reculer le healer. Pour lui, il peut rien. Mais putain. Jeu de merde. On va le laisser là, tant pis, passer son tour. Passer son tour, ça fait du stress, ça je savais pas. C'est marrant ça. Allez, recule. Génial. Il peut même pas se soigner quoi, alors qu'il est derrière, il est débile. Cool. C'est vraiment cool, en tout cas les slimes, c'est vraiment les meilleurs mobs. Moi j'adore les slimes, c'est vraiment un bonheur total. Non mais cela dit, c'est bien qu'il y ait que des petits, qu'il n'y ait pas un seul gros slime. Comme ça, c'est plutôt cool. Je vais devoir tout manger pour ce truc. Bah ouais ouais. Non non non, je vais pas faire ça pour l'instant, mais ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Alors, c'est parti. 10 et 8. Ils ont combien d'HP? Ça va pas ou quoi? Ah, ils ont 11. Attendez, plus ils se génèrent, plus ils ont d'HP ou quoi? Non, ils ont toujours 11, d'accord. Mon mauvais. Allez, faisons un quadruple crit là, ce serait pas mal. Bam bam, 2 en moins. Mais là, ils vont en générer d'autres, donc faut vite le finir. Lui, voilà, comme ça il n'y en a que deux et ça se passe bien. Allez, on avance. C'est bien Yogis qui aurait été très utile, encore une fois. Ah putain, il va en générer un autre. Les slimes, c'est horrible quoi. C'est horrible. Tellement horrible les slimes, je déteste ces mobs. C'est pas les pires mobs. Hein. Crit 30, bah oui, d'accord. Crit à 30, clairement. I judge the guilty. Bah soin de groupe. Soin de groupe, j'ai envie de dire. J'aurais pas dû faire ça. Voilà, c'est fini. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon. Faudrait que je regarde. J'essaie de regarder quand est-ce que je pouvais camper dans le donjon. Alors, ça fait quoi déjà? Les All Tree. Je crois qu'il y a deux loot possibles. Ah non, c'est anti-venin. Anti-venin. Et voilà. Trinkets and baubles. Ouais, clairement. Paid for in blood. Paid for in blood. T'as pas de chance sur les slimes, je trouve. Moi, ils se multiplient pas autant. Ah, un super gros slime. Et en plus, j'ai été surpris. C'est génial. Putain. Ça me saoule. Ça me saoule parce que. Voilà. Ça me saoule parce que je peux perdre un combat là-dessus, en fait. Sur le fait d'être surpris, ça me saoule. Ça me saoule trop. Ça me saoule trop. Ça me saoule trop. Ça me saoule trop. Je sais même pas si je vais me servir de la Holy Water dans ce donjon. Je crois pas. Ça saigne un slime? Je crois que oui, en plus. Il a résiste, mais est-ce que ça saigne en vrai un slime? Je ne sais pas. 14. Ah là, il a pas fait son crit à 30, hein, ça c'est sûr. Utilise tes torches. Non mais oui, je fais de la merde. Ne vous inquiétez pas, je le sais. Ah, voilà. 23. Saloperie d'ectoplasme nul. Mark Prey. Comme ça, elle va prendre la sauce. Mais elle va reculer, c'est pas grave. Allez, avance. Ah, c'est bien. C'est bien qu'il ait avancé avant qu'elle... Comme ça, elle peut heal. Crit à 30 sur le mob à 5 PV, GG, hein. Bah oui, Adalich, je suis d'accord. Adalic. Adalic ou Adalich? Moi aussi, j'aimerais trouver des rubis dans les souches d'arbres. Ah, voilà, un crit à 30 sur un mob à 5 HP, encore une fois. Bon, cela dit, tout mon stress... là, je suis à 0 de stress, quoi. Putain, ouais, franchement... je pourrais même me permettre de temporiser pour soigner un petit peu. Alors, je vais me soigner un petit peu. Faisons durer un petit peu le combat. Oh! Pardon! Crushed by justice! This expedition at least promises success. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas très bien.
Spirits are lifted and purpose is made clear. Est-ce que je tente de manger toute la bouffe? Hop. Ah merde, il en faut un de plus. Oh merde, pourquoi j'en ai... Ah mais attendez, ça a mangé un truc de l'autre paquet de bouffe. Putain, c'est fou ça. Alors 1000. Là, je sais pas trop quoi jeter. Je pense que je vais jeter la Holy Water. Je pense que j'en aurais pas besoin dans le donjon. Et ça, c'est une gemme à 500. Bon, je peux pas la prendre. J'ai envie de garder les autres. J'ai envie de garder... Fait durer le combat. Ah ouais, bah non. Alors ça, par contre... Alors... C'est quoi? Pristine Fontaine. Holy Water. Je viens de la jeter. Non mais ça va, ça fait que du stress en moins. Du coup, j'en ai pas besoin. La fontaine, ça fait juste du stress en moins. Du coup, même si j'ai jeté ma Holy Water, ce n'est pas la peine. Donc, aucun regret là-dessus. No regrets, just love, comme disait Katy Perry. Alors là-dedans, c'est les bandages, donc, si mes souvenirs sont bons. Merde. C'est les bandages. Ouais, c'est les bandages. Putain, c'est fou, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Sinon je jette un truc comme ça, tant pis. En attendant, je ne sais pas. A blazing star is born. Bon, je vais jeter celui-là. Pour l'instant ça se passe bien, c'est un donjon que je voulais faire sans sortir avec du stress, c'est ça mon but surtout. Et pour l'instant ça marche bien. Change l'ordre. Ah oui, bien joué. Oh merci beaucoup. Oh merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Là on devrait plus être surpris s'il y a des combats normalement. Scouting. Alors le scouting va réduire les chances d'être évidemment surpris. Bon, les salles sont vides. Bandage. Ça libère un slot, c'est bien. Ah, 1000 gold, on est content. On est content, tout ce qui est goldess évidemment hein. On est content quand on a des goldess. Mangeage. Alors là le problème c'est que j'ai plus assez, il faut que je campe. Il faut que je campe au prochain truc. Sinon j'aurais pas assez pour que le festin soit worse. Oh, quoique je m'en fous, j'ai pas de stress, pas de bouffe. Ouais non, on s'en fout en fait. On s'en fout, on continue. Et là on devrait peut-être surprendre les mobs, les prochains. Voilà, est-ce qu'ils ont été surpris? Ils sont pas surpris, bon. Tant pis, ce n'est pas grave. Mourez, 5-7. 5-7, on va faire un petit soin de groupe, histoire de régénérer tout ça. Bon, elle se heal à 0 parce qu'elle est déjà full life, hein, c'est pour ça. Bump in the night. J'ai 3 pelles, Zera, ne jamais écouter ceux qui disent 2 pelles. Je sais, ça je sais. Mais ça, t'as acquis la moitié de ton stock de boost, c'est juste moi à la fin de ton boost, tu vas repartir en fait de cause des défenses. Non, non, ça va le faire. Ça va le faire parce que je vais faire le campage. 6. Il rejoue, d'accord. Gros cheater. Là, j'aimerais bien avoir le soin. Non ? Pas de soin ? Bon. Il faut finir les combats, j'ai pas envie d'avoir du stress en plus, pour rien. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. C'est adalicheux. Sérieux. Sérieux, mécréant. Et oh, du calme quand même. Alors ça, c'est avec une clé. 3 fois plus de loot avec une clé. Ça m'arrange pas forcément, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, 3 fois plus de loot et j'ai eu ça, bah dis donc. Bon, ça c'est une gemme à 250, ça pue. Ça pue. Est-ce que je pourrais même camper? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un... Non, là, il y a pas de combat. Mais on va faire le campement. Hein. Faisons-le. Ou alors, on campe à la prochaine, encore une fois. Ouais, campons à la prochaine. On va camper à la prochaine. Encore une pelle. Utilisez, regardez. The path is clear. Alors là, nous n'avons pas. C'est un antivenin, je crois, c'est ça. Old tree. On commence à ne plus pouvoir interagir avec les items. Antivenin. Ouais. Bah, je vais pas le risquer. Tant pis. Ah ! On est toujours pas surpris, putain. Oh, il y a une vieille femme. Meurs, vieille femme. 8-8-8, voilà, ça c'est le mon chouchou que j'ai envie de voir. C'est exactement ça. Lui il est full life. Il lui manque un HP, bon, on s'en fout. On va faire ça sur la vieille femme, non sur un loup. Ah, on peut peut-être la one shot, 6 HP. Ah, il lui reste 3 pour ça. Pas de regret, il lui reste 3. Ça va. Oh mon dieu. 2 de damage per round. C'est pas grave, enfin, c'est à lui. J'ai pas de bandage, oh non. Ah, ça m'arrange pas du tout. 6 et 6, parfait. Double one shot. Curse of vulnerability. Ça c'est chiant, ça va faire du stress. Ah non, il est juste marqué, mais il n'y a pas de stress, c'est cool. Et boum, crit à 30 sur la vieille femme.
Toujours no stress. So too will resistance. So too will resistance. Et là, nous allons camper. Torche, campage. Je suis con, ça reset ma torche, le camping. Donc, bah là, on va un petit peu manger parce qu'à 0 ça fait du malus, mais pas besoin de faire plus 10% health. Si je dépense 3 de bouffe, il me restera 5. Ouais, ça va. Ça va, on peut faire ça. Donc, mon chouchou, Clean Guns évidemment. Bienvenue à Protéine qui vient de s'abonner à la Zerator Télévision. Je te souhaite évidemment la bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue, 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 bienvenue. Le stress, bah 20, 10 accuracy, ouais. My sword, my trust ally. All compagnon, 20% stress résiste. Évidemment. Et self only, 35% stress résiste. Voilà. Pas de stress donc pour mes compagnons. Et nous avons terminé. Je pense qu'on a fait un très bon donjon pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Hein. Yoshi s'a chopé la rage. Camping dans les marécages NP. Regardez les champignons autour et tout. Ah, ça pue la merde ici. Les champignons sont moisis. Qu'est-ce que c'est que ça? On le dit, my stomach aches. Aches. Est-ce qu'il y a une embouche? Ah, embuscade. Ça aurait dû reset les torches pourtant. Je suis un petit peu déçu. Hop, voilà. Et hop, on est replacé. Ça fait deux tours pour rien, mais bon, au moins c'était les bons tours, j'ai envie de dire. Alors, slime. Embrace the dark. Non, ça c'est du stress, j'en veux pas. Non, saloperie, merde. Slime. Faut absolument qu'on focus la vieille femme. Everything runs red. Comment attaquer la vieille femme avec lui? On ne peut pas, malheureusement. Oh putain, double dodge alors qu'il a un buff d'accuracy juste il y a 2 secondes quoi. 8-9. Et là, avec mon chouchou normalement. Voilà. Boum! Plus de slime et plus de vieille femme. Fetid sensor. Ah non, ça fait quoi du blight? Ah, ils ont double résist mais ils ont stressé les deux. Voilà, 10, plus de vieille femme. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Insidious killer. Killer. Radiance, may we find our grave. Shallow grave, il faut une pelle. Et on aura 3 fois plus de gemmes normalement. Ah. Très très content de ce qui vient de se passer, évidemment. Alors là il y a un piège, faut juste faire gaffe. Hop. Désamorçage. Disarmed. Bon. Là, est-ce qu'ils sont bien placés? Ils sont bien placés, on y va. On y va. Zerator Yoshi, c'est un bad quirk Rabbies qui lui enlève 10 d'accuracy. Ah ouais? Ah merde. J'avais oublié. C'est vrai, il a ça? Ah ouais, putain, et 20% damage. Ah ouais, putain, clairement, il a la rage. C'est ça que vous disiez en fait quand il a chopé la rage. Je pensais que c'était une blague, mais non, c'était vrai. Bon, bah, on va lui redonner de l'accuracy un petit peu. Il a 12. C'est pas fou, mais bon, c'est toujours ça. Moi, je vais focus elle. Non, il faut faire un party heal. 3, 3, 3, 1. Donc c'est bien, ça fait un soin à 10 quand même pour toute l'équipe, c'est beaucoup. Oh, les dégâts de mon chouchou quoi. Mouais. Voilà, double kill avant que le combat commence, c'est chouette. Donc on a juste un petit stress de la vieille femme. Embrace the dark. Ah, ça m'emmerde ça. Bon, c'est que 5 de stress, hein, c'est pas fou, mais bon. C'est jamais sympa d'avoir du stress en plus. Bon, lui malheureusement, voilà. Alors la vieille femme. 11. Si on pouvait la one-shot à ce tour-là, ça m'arrangerait tellement. Voilà! Shima309 vient de s'abonner. Bienvenue à toi, Shima309. J'espère que tu as passé une bonne journée sur le live et que tout se passera bien pour toi. Ah, il y a un truc là-dedans. On t'a pas appris à respecter les vieilles femmes bizarres que tu n'as regardées. Merci à Tom Creed. Ça fait longtemps à Tom Creed que je t'avais pas vu sur le live. Il était là à ZTV, à Tom Creed qui est de Montpellier, etc. Contents are yours. Putain, on a 3 gemmes, oh là là, là c'est vraiment pas mal ce qui se passe. Franchement, c'est un super donjon, je le répète encore une fois. Ouais, non, ça on a plus la place. On va jeter les medicinal herbs, ou les clés peut-être. Non, la clé je vais la garder au cas où. En général, quand on jette un truc, on en a besoin juste après. C'est toujours... Donc là, il devrait y avoir une carcasse d'animal. Non, pas du tout, il y a des vrais animaux. Surprise. Bon, il n'y a que 2 loups, mais... S'il me redonne la rage, ça va vraiment me saouler. Oh putain, il a eu la rage, mais putain de merde. Fais chier. Merde. Ça me saoule trop. Ça me saoule tellement, quoi. Putain de loup de mort.
Mourez. En plus, ils ont masse HP. Ils ont 14 HP, quoi. Supportable. Horrible. Mourez. Ah, la puissance du divin. La nonchalance extrême. Ah non, mais là... Le seul défaut de ce donjon, c'est qu'on va devoir soigner deux personnes qui ont la rage, quoi. Super. Meurs. 3 de dégâts, quoi. 31 en crit. Alors, moins 20% de damage. On est déçus, les loups. Oh, j'ai plus de place pour les golds. Oh non. Oh non. Oh non, qu'est-ce que je jette? Jeter ça. Tac, tac. Et voilà, et il saigne. Bah tant pis pour lui, fuck sa life. Là, c'est de l'anti-venin, j'en ai pas. On va juste réallumer des torches. The light, the promise of safety. La rage, c'est un buff. Ouais, bien sûr. Oh, Blighted Giant. Oh là là, ça va très mal se passer, je sens. Je sens que le bon donjon va se terminer ici. Ça va être un énorme problème, je sens. Un énorme problème. Bon là, il a zéro d'accuracy, on va lui en booster. Là, ça va être un problème. J'ai envie de focus le loup, mais putain, il y a la vieille femme derrière. Ah ouais, non, ça va être un... Ça va être un combat horrible. Ça va être un combat horrible, je vous le dis. Je vais focus le géant, mais... Clairement, je sens que ça va être un combat horrible. Tiens, 5 euros, ça me fait plaisir. Putain, le mec, ça fait vraiment genre il jette une pièce, quoi. Tiens, tiens, 5 euros. Merci, Goff. Oh, à quoi 34 dans ma grosse gueule. 34. Bah, vous savez, 34, c'est pas grand chose. C'est pas comme si mon chevalier full life, il avait 47 HP. Finalement, hein. Donc faut focus le géant. Oh, ça rase, quoi. Allez, meurs, je t'en supplie. Oh putain, mais personne peut crit sur cette merde. Oh, c'est à lui de jouer, putain. Oh, il a dodge. Oh, oh, oh. C'est bon. Rapid rush. Mais lui, ça va, il a déjà la rage. Donc tant que c'est mon chouchou qui se fait focus par le loup, c'est cool, en fait. Allez, meurs. Oh, il est mort, putain. Oh. Oh, 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 oh. 34, quoi. RIP, RIP in peace, j'ai envie de dire. Dodge, bon, on s'en fout. J'ai tué le géant, là, tout me va maintenant. Tout me va, j'ai tué le géant. T'avais la marque, c'est pour ça. Oui, mais même si j'avais la marque, ça me surprend quand même. Prendre un coup à 1 milliard. Voilà. 35, devastating blow. Rapid rush. Crit 5. Pas la rage, pas la rage. Elle a résisté, ça va. Ah non, pas le dodge. Non. 13. Il est mort. Il saigne, il meurt. Je soigne parce qu'il va mourir avec le... Avec le bleed. Bleed. Il va mourir avec le bleed, donc c'est pas la peine. Voilà. Ouh. Et donc. Bon, j'ai fini le donjon, fort heureusement. Mais, putain, quoi. Alors, Traveler's Taunt. Cause I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Nothing is left inside the tent. Bon. Et ben, bravo. Donc, on sort avec 22 de stress, 10, 8. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais on sort surtout avec la double rage. Ça me saoule. Tu vois, c'était un vrai crit. GG le géant. Là, tu vois, c'était un vrai crit. Ouais, Adalish, c'est bon. Fais pas le beau quand même. Mais là, on a eu 16 000 goldes. 16 000 goldes. Je sais pas si vous vous rendez compte. 16 000 goldes, c'est considérable. C'est considérable. On a eu quand même 30 crests. C'était un bon donjon. Juste la rage qui fait chier. Ah, mauvais sens de l'humour, mon chouchou. Dommage. Slayer of Eldritch, ça va me servir, c'est cool. First round, moins 4 de speed, bon. 3% de crit, moins 5% max HP. Bon, et il faut bien accepter, hein. Il faut accepter, c'est comme ça. Bloody Yellow a recover du stress. Alors le problème, c'est qu'on va devoir faire un donjon à double healer, j'ai l'impression, parce que les deux qui ont la rage, c'est lui, mon chouchou.
Rabies. Et un raid 30Q ne l'a pas. Un raid 30Q ne l'a pas, mais... Si, si, il l'a. Rabies. Non, c'est l'autre qui l'a, c'est Yoshis. C'est Yoshis. Ok. Bon. Donc malheureusement, ça va être difficile, là. Ça va être très difficile, parce qu'il va falloir faire un soin des Rabies. Et là, Yoshis aussi, ce qui nous ferait... Ah non, remarque, on a mis Johto. On a toujours mis Johto. J'ai pas envie de l'enlever de la curacy à lui aussi. Je sais que ça booste mes damage. Hein. Je sais que ça booste mes... La rage, c'est bien. Mais non, mais non, mais... Ça fait mal, la rage. Ouais, mais franchement... Je sais que ça fait plus 20% damage, mais moins 10 accuracy, je peux pas me le permettre, quoi. Franchement, moins 10 accuracy pour une... À la limite, je peux le laisser peut-être à mon chouchou. Allez, à la limite. À la limite, je peux le laisser à mon chouchou. Je peux tenter de le laisser à mon chouchou. Mais... Mais Yoshis, non. Yoshis, non. Il rate déjà toujours ses coups, là. Ça me fait chier. Non, je veux pas recruter des gens. Je m'en fous. Je veux... Bon. Cela dit, on va quand même amener... On va prendre Shortuga. Non, on va... Qu'est-ce qu'on peut soigner de cette personne? Self-worship. Imaginez. Surfer of a closed space. Obsessed with killing. Est-ce que Blood Yellow peut se soigner de quelque chose? Ouais, non, ça on s'en fout. Indulgent raise, moins 1% stress resist. Light above 10%. Monster type beast. Type beast. The crushing guilt, ok. En fait, j'aimerais bien enlever. Enfin, j'aimerais bien soigner les trucs de Hellred 30Q, mais le problème c'est que mon deuxième tank n'est pas dispo. Du coup, c'est pas trop. Oui, c'est pas trop possible quoi. C'est pas trop possible. Enfin, bref. J'ai lui qui est niveau 3, j'avais même pas vu. Mais lui, il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie. Et ouais, lui il est chiant en fait, c'est ça. Ouais, putain. En fait, le seul endroit où il peut prier, lui, en gros, c'est là où il y a le FDP d'Internet. Et heureusement, je peux faire ça. Mais bon, il faut quand même 10 portraits pour améliorer le truc. Mais bon, c'est pas... J'ai pas trop le choix. Il est tellement en stress. Je suis obligé, quoi. 850. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait un deuxième tank qui peut arriver jusqu'au niveau 3. J'avais même pas vu qu'il était passé niveau 3. Du coup, c'est pratique. Keep calm and dodge, be dodge dead. Effectivement. Alors juste, j'avais mes skills level 4. Est-ce que tout le monde a amélioré ses skills niveau 4? Je crois pas. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il faut que dans mon groupe d'élite, il soit amélioré niveau 4. Parce que clairement... Alors je vais partir avec Bloody Hello. Bloody Hello. Même si... Ouais, parce qu'il faut... J'ai pas envie de monter trop d'XP d'un coup. Voilà, 6, 7 et 2, 3. Du coup, d'une joueur de l'ombre. Merci Morduron. S'il reste une place dans la team, je suis preneur. Non, il n'y a plus de place pour l'instant, Morduron. Mais merci de ta donation, merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Alors, je pourrais monter ça un petit peu, mais... C'est dommage qu'on puisse pas voir ce que ça fait avant de les booster. Mijoto, d'ailleurs, dans la guilde, il en est où, lui? Ah ouais. Ah, il pue la merde. Ah, il pue la merde. Ah oui, donc clairement... Target, cure, blight. Ah, c'est pas mal, ça. Shovel, single. Damage mode 100%. Ah, parce qu'il a pas la plague grenade. Ça fait tellement mal. J'ai utilisé tous mes spells pour ça. Bleed 4. 3 per round. ça, c'est sur les deux premiers. Donc en gros, je vais monter sur tous ces deux-là. Stun bases. Il faut qu'il soit en troisième position. Là, il faut qu'il soit en dernier. Ok. Voilà. Il nous permet de booster. C'est bien. Bon, cela dit, on a plus trop d'argent. Donc, ne faisons pas n'importe quoi. D'accord. Si on voit ce que ça améliore, c'est écrit en dessous Zerator. Non, mais pas dans les rangs suivants, en fait, je voulais dire. On a beaucoup de donjons niveau 5 qui arrivent. Je sais pas si on en aura assez pour me, pour me booster. Allez, Hellred 30Q, mon chouchou, Mijoto,
Et Shortugal, on avait dit... Non, on avait dit Bloody Hello. Voilà. Donc lui, il est à la bonne position, lui aussi. Bon, du coup, mon chouchou va prendre très cher, je pense, ici. Mais... Puis il a la rage, quoi. La rage, c'est quand même ballot, quoi. C'est quand même ballot à ouf. Ballot de ouf, pas ballot à ouf. Voilà. 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 Toc, toc, toc. Moi, je suis d'avis qu'il faut un item de chaque, en fait, parce que... Peut-être pas deux, c'est vrai qu'en prenant deux, j'abuse un peu, mais au moins un item de chaque pour pouvoir interagir une fois. Bon, la clé, j'ai peut-être pas besoin d'en avoir un milliard, mais bon, ça, je pense que je vais le regretter. Il y aura toujours des donjons hein, de tous les niveaux, ou presque, t'inquiète pas, Zera. Ah ouais ? Ça, je me demandais, justement, c'est cool. Bon, ben voilà. J'ai pris que 8 torches. Je vais en prendre 2 de plus. N'oublie pas de changer les sorts. Non, c'est bon. Donc ce n'est pas un run poubelle, hein. Ce n'est pas un run poubelle. Ne critiquez pas le run non poubelle. Oh non, il pue la merde ce donjon, il est d'un côté puis de l'autre. Oh. En plus, on va faire tous les combats. Ah non, il pue, vraiment, il pue. Vraiment, là, il pue, là, vraiment. Bon, lui, c'est bon, il a tous les sorts. Ah oui, lui, il faut remapper ses sorts. Donc, on va enlever ça et on va mettre ça. Je pense. Ouais, c'est bien. C'est bien que deux pelles. Non, j'ai pas deux pelles, j'ai quatre pelles. Ah non, mais il y a un mec qui a dit, ah, mais tu devrais prendre que deux pelles. Eh bien, non. Ah, l'ordre du donjon est tellement pourri, je déteste ça. Allez hop, 50 goldes, heureusement que j'ai capturé, heureusement que j'ai utilisé un bandage quand même. Hein, hein, qu'est-ce que ça aurait fait? Je t'envoie un tableau avec les interactions objets par zone, tu verras certaines zones n'ont jamais besoin de holy water et vice versa. Merci. Je vais me limiter au wiki, je pense, pour l'instant ça va. Ah! Mais comment on peut être surpris? On a les torches à fond, putain! Ça me saoule, je sais qu'il y a un facteur aléatoire dans le fait d'être surpris, mais quand même! Quand même, moi ça me gave! Bon, cela dit, c'est pas le pire ordre qu'on aurait pu avoir, donc ça va, il y a pire. Stun! Alors, on va le faire sur lui. Cool, stun, dodged! Ça alors! Bon, toi, faudrait que tu recules, mon cochon. Mais c'est pas grave. Tu sais quoi? T'as qu'à prendre de la visée, et lui, il va faire la Holy Lens derrière, ça devrait le faire. Ah, mais non, c'est la mauvaise position! Run for the old gods! Mark Prey. Il m'a refait la marque, je suis déjà marqué quoi. À moins qu'on puisse être double marqué. Bon, j'espère que non quoi. Bah clairement j'espère que non. Double résiste, bah c'est vachement bien ça. Je suis trop con parce que j'ai encore pas regardé. Ils ont un blight résiste à 95%, je suis débile. Donc là c'est entièrement de ma faute. Ah le dodge. Mais au moins ils sont replacés à peu près parce que pas super replacé non plus. Ah 5, 11, 10. Clairement il fait beaucoup de dégâts. Mais il prend la sauce 8, non mais putain. Stop, focus sur les streamers là. Est-ce qu'ils ont un stun résiste? Combien stun résiste? 45%? Bon, je le tente. Je le tente. Et il y en a un qui est stun, c'est toujours ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Alors. Ouais. Ouais, le blight, ouais. 9, ouais, c'était pas fou, j'aurais dû attaquer l'autre en fait. Même si c'est vrai qu'il a très peu d'HP lui. Mark Prey. Et voilà que mon chouchou est marqué. Run for the old gods. Crit à 8. Et bienvenue à Mr. Psone qui vient de s'abonner. Crit à 18. Merci à toi, bienvenue, mais merci de ton abonnement. Meurs. Mais putain, j'ai l'impression qu'il y a que lui qui attaque. J'ai l'impression que mes personnages ne font rien. Rien du tout. Tiens, prends ça dans les fouilles. Même s'il a résisté au blight, il fallait que je fasse un peu de dégâts, j'avais pas le choix. 6. Et vas-y donc. Non. Un 21 de crit à l'autre qui a dodge quoi. Tellement insupportable le dodge. C'est à lui de jouer, bah oui, normal. Ah non, ça va. Je tente de temporiser un peu pour faire juste un soin de plus. Comme ça mon chouchou peut attaquer et le finir normalement.
Ah non, 17. Ah merde. Escape Cloud. Bon, j'ai dodge. Ma peau brûle. Putain, qu'est-ce qu'il est chouchotte lui. Supportable. Je vais le buffer lui. 15% de damage. Là, il devrait saigner normalement. Non, ça va en fait. Soigne-toi, toi. En fait, j'ai des bandages, même pourquoi je n'ai pas utilisé sur, sur mon chouchou par exemple. J'aurais dû, clairement, j'aurais dû. Bon, là, il devrait mourir normalement. Pourquoi il bleed pas? Ça me saoule. Meurs. C'est bien, on n'a pas eu le debuff de stress. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Beaten. Le fameux beaten. C'est pas beaten, hein, c'est beaten. Beaten. Il y a tellement de rooms où on va devoir se battre. Horrible, ça va être horrible. Ça va être un donjon très difficile. Ça va pas être comme le donjon d'avant. Ça, croyez-moi, c'est clair. The way is lit. Je surutilise les torches. We require only the strength to follow it. Allez, go. Ce serait bien de pouvoir aller sur moi. Oh, j'ai pas inversé la position du... Aga, 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 aga. Imbécile. Imbécile. J'aurais tort, imbécile. Ah. Such a terrible assault. Merci, Sliner. Ah ouais, d'accord. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Ok. Moitié de barre de stress, midlife, mort. Ok, cool. C'est bien. Non, mais c'est vachement bien. Ah, ça retire sur lui. Ah, bah c'est bien. Non, mais c'est vachement bien. C'est pas du tout un jeu abusé. Hein. 5 HP, voilà. Plus le Blight derrière, il va mourir. C'est bien, il est pas mort. Mes veines sont en feu. Il a toujours, il n'a toujours pas joué. Hein. Nous n'avons toujours pas joué. Ah, apparemment, nous n'avons pas le droit de jouer dans ce jeu. C'est pas grave. Voilà, mourir, double one shot. Donc 28 au calme, hein, quand même. Ah, va-t-il mourir? Ah, voilà, Death Door. Death Door résiste. Ah, Bite. Ah, bah oui, c'est bien. Ah, Death Door encore. Bon, c'est bien, dans mon malheur, j'ai quand même de la chance. Parce qu'il n'est toujours pas mort. C'est quand même cool. Voilà, va bien niquer. 5-10. Il a toujours pas joué, hein. Mais il faut toujours pas jouer. Il n'a pas joué du combat. Il n'a pas joué du combat. C'est bien de la merde, en tout cas, ce jeu. Hop. Bien de la merde. Alors. Non, mais sérieux, quoi. N'importe quoi. Tiens, toi qui peux. Alors, ça... bon, j'ai une chance d'être Blight. Ça va, je ne l'ai pas été. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, notre vie est nulle. On va utiliser ça. Voilà, notre vie est bien nulle. Hein. Là, clairement. Surtout que là-bas, il y a un autre truc. Là-bas, il y a un autre combat. Donne-lui à manger. Non mais oui, je sais, il faut un truc à manger, mais bon. Le problème, c'est que là... Ah, je suis vachement bien, je suis hyper content, hein. Je suis hyper content d'être là. Mijoto, va-t-il mourir? Mijoto, va-t-il mourir dans ce donjon? Ah! Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, 8 de bouffe. Ah, hop. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Voilà. Voilà. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, je dois l'avouer. De tomber sur une carcasse de viande parce que combat. Le Blanket Fire. Ah, triple dodge, ça fait plaisir. Triple dodge à l'engage sur le Blanket Fire, clairement ça me fait super plaisir. Voilà, 15. Ce serait pas mal qu'il y ait un petit crit qui passe pas un tour. Hein, hein. Soyons fous, rêvons, rêvons un petit peu dans ce jeu. Rêvons dans Darkest Dungeon, le shank. Hop, 17 de crit. 17 de crit. 17 de crit. C'est bien, va bien te faire foutre. Ah voilà, comme ça, hop, mon chouchou, il meurt. Ah non, il n'est pas mort, cool. Il a résisté. Mais il bleed, ce qui fait que là on n'a pas de bandage évidemment. Si, on a un bandage, je vais pas le faire pour lui. Double blight pour eux. Ah, le dodge, on est content pour Mijoto.
Heureusement qu'il avait survécu. Blanket Fire, peut-être la mort de mon joujou. Et non, pas encore. Formidable. Soignons-le. Soignons-le, on n'a pas trop le choix. J'ai pas trop envie que mon chouchou meure. On va essayer d'éviter ça, évidemment. Même si là, il a re-bleed. Et merci, monsieur Pson. Ah, merci pour tes 30€, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Hop, le dodge, on est content. Le petit heal à 6, 6 ou 7. Bah, autant faire 6, évidemment. Shank. Hop là, le dodge, ça c'est bien, on est content. Hop, peut-être encore. Ah non, pas de double dodge. Ah, double blight par contre, ça fait plaisir. Ça va leur faire un bon petit dot dans la gueule. Point blank shot. Ok, mais qui fait lui? Tapo. Ah, c'était pour faire reculer. Oh là 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 là. Allez hop, 11. Comme ça, il saigne comme un porc. 6 par round. Le blight à 4, shank. Ah voilà, la mort peut-être. Eh ben non. Eh ben non. Sinon, il y a écrit qu'on meurt direct. Le heal à 7, évidemment. À 7 à Palanar. I'm not giving up. C'est bien. C'est bien. Il n'abandonne pas, il nous le dit. Double dodge. Holy Lance. Meurt. Le fusilier est mort. Plus de blanket fire dans notre gueule. Plus le déplacement, ça fait plaisir. Bon, lui, malheureusement. Ah, cool. Ah, génial. Tout le monde saigne. C'est génial. Irrational. Irrational, donc évidemment un buff négatif, hein, faut pas non plus rêver. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, on va essayer de finir lui. Non, il a 1 HP. Faisons un stun. Il a du stun résist un peu ou pas? 45%. Bon, avec un peu de chance, il est stun. Il est stun, c'est cool. Lui devrait mourir avec le bleed. Voilà, Mijoto est à l'article de la mort. Ah, il rejoue. Très bien. Il tente de tuer lui. Voilà, il est mort. C'est bien. Bon, lui il est stun, donc là ça devrait le faire. On va soigner tout le monde, hein. Ouais, je pense que là c'est bien. 2-2-2-2. Ouais, il est stun, donc il ne jouera pas à ce tour là. Merci beaucoup. Et là on va essayer de le finir, hein. Vu qu'ils peuvent faire des crits à 1 milliard, on va pas les laisser. Fuis, Zerator. Mais comment ça fuit, mec? Pourquoi tout le monde m'écrit toujours de fuir les combats? Ça va pas ou quoi? Voilà. Et vous savez qu'on peut pas fuir en plein combat, hein. Je crois que c'est quand on finit. Alors là, il y a quoi au bout? Une salle avec un combat, génial! Et bon, on va camper, on n'a pas le choix. Clairement, on n'a pas le choix. Ah, j'espère que je prendrai une belle embuscade dans la gueule quand je me réveillerai. Bon! Alors là, pour le stress, on peut abandonner. Ouais, non, ça non. Remove target poison. Malheureusement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut remove le bleeding avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, ta mère? Ta mère a mort, ta mère de pute. Alors là, ça n'a pas marché du tout. Lui, ça a marché par contre. Vous avez vu ce qui s'est passé là? C'est un truc de ouf. Je le tente ça ou pas? Oh, ça a marché. Cool. Pour réduire le stress, mais avoir une chance d'augmenter le stress, etc. Donc ça n'a pas marché, hein. On est très content de ce campement. On est très content. Si tu peux en plein combat, souviens-toi le boss impossible. Ah oui, c'est vrai, on peut fuir en plein combat. C'est vrai, c'est vrai. Je m'en rappelle. Hey, merci Jeff. Ah, une embuscade avec un géant de merde. Merci Jeff, merci à toi. Tiens, prenons la rage peut-être sur ce personnage. Quand un jeu qui achète... Merci Nidoking. Bah écoutez, je pense que c'est bientôt la fin de notre aventure sur Darkest Dungeon de toute façon, puisque là, on va bientôt donc... voilà, finir. Enfin, mourir en fait. Donc c'est bien. Moi je trouve ça plutôt bien. Ça nous évitera de rager à l'avenir. J'ai envie de dire. Meurs! Putain! Je me suis dit, si je le one-shot, c'est peut-être worse si ça tue pas le géant. Bon, tant pis. Est-ce que le géant pourra attaquer, cela dit, même s'il y a le loup devant? Ah bah oui, il s'en bat les couilles. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ah, voilà. Nique sa grand-mère. La no-luck de ouf. Ah ouais, non mais là, clairement... C'est le donjon le plus malchanceux que j'ai fait de toute ma vie dans ce jeu. Ah, mais là c'est chouette parce qu'en fait il est bien mal placé, exprès, c'est vraiment bien, c'est génial.
Je vous invite à regarder ce live, hein. On est sur la fin de Darkest Dungeon, le dernier donjon. Nous allons tout perdre. Voilà, 16 dans la gueule. On est un petit peu replacé à peu près, on va dire. Je te manque de moule. Non, je ne fuirai pas, ce n'est pas prévu. Poison Spores. Resist, voilà, va bien niquer. Rabid Rush. Ah, la rage peut-être pour Mijoto. Peut-être, la rage. Ah, voilà, la rage, merci beaucoup. Va bien niquer ta mère. Voilà, Holy Lance. On avance encore d'un cran. C'est bien, tous mes persos ont la rage, c'est formidable. Je suis très très content, évidemment. Je suis très très content, j'adore. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ça. Hop, 5. Va-t-il avoir le résist? Bah non. Va-t-il avoir le truc, je voulais dire résiste, non, 10 évidemment, on n'allait pas le one shot, c'est pas n'importe quoi. Bam. Voilà. Un critique quand le mob est à 1 HP, comme d'habitude. Comme d'habitude, le critique le plus fort arrive quand le mob est à 1 HP, comme d'hab. Bon, il était à 3, c'est pareil, on s'en fout. Mais évidemment, on est toujours très très content. Ah, peut-être peut-être une la rage, peut-être. Non, pas de rage, malheureusement. C'est dommage. La rage de Zera. Ah non, non, non. Ah non, moi je rage pas. Je commente ce jeu nul. Ça n'a rien à voir. Blight. Bon, ça va beaucoup me servir, le Blight. Merci beaucoup. Hop, un petit heal peut-être. Bon. C'est un peu fou ce que je fais. C'est un peu fou de temporiser avec un loup qui peut me déboîte. Mais c'est pas grave. Et voilà, est-ce que Mijoto du coup va avoir le lastite ou pas? Non, il a pas eu le lastite. Moins 2 accuracy. Mais putain, comme si j'avais besoin des thèmes qui font moins 2 accuracy quoi. Alors c'est cool parce que là on a campé et on dirait qu'on a jamais campé. Et j'ai plus de bouffe. Ouais, je pense qu'on va sortir de ce donjon hein. Je crois. Je crois. On va tenter quand même un dernier combat pour rigoler. Non, si j'allais là-dedans, je vais aller à la fontaine. T'es un salaud, t'as envie d'acheter tous les jeux auxquels tu joues, je pense, pour faire les combats, c'est la croix à droite des spells. Takanakan, non, c'est ici en haut à gauche. Abandonne quest, regarde, un truc qui clignote. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, mais là, clairement, je pense que. Je pense qu'il faut s'en aller d'ici. Hein. Non, mais il y a une fontaine là-bas, j'aimerais bien essayer d'y aller. La fontaine peut me soigner et m'enlever du stress. Donc, peut-être. Ah! N'est pas d'antivenin. Je ne risquerai pas cet arbre. Bon allez, on tente. Peut-être le dernier des combats. Pokémon, attrapez-les tous. Elred 30 cubes. Bon, de toute façon, il a 3 HP. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, qu'est-ce que... Non, pas lui, lui. Quoi que je lui fasse bouffer. Il veut pas manger. Ah si. Un rabbit rush toi aussi, parce que tu rages. N'importe quoi, je vois pas du tout de quoi vous parler. Alors, est-ce qu'il y a combat là-dedans? Et alors on pub pas son live. C'est vrai que j'ai pas pubé le live. Ah, il y a slime. C'est une tente, ce n'était pas une machin. Alors lui il fait des attaques de zone, faut faire gaffe. Du coup on va se soigner. Je le tente. Si je vois que ça se passe mal, je m'en irai sans aucun regret. Et vivre sur terre, loin de la mer. Partir là-bas, je donnerai tout ce que j'ai. J'ai failli one-shot le slime. Putain, je vais one-shot le slime. Dingo! Ça va pas tuer l'autre. Je suis deg. Putain, là, quand, clairement, quand vous surprenez les mobs, ça change tout, quoi. Vous avez vu ce début de combat de ouf? Oh non! Non, mais il a un HP. Je veux dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut avoir un peu de sérieux sur ce live? S'il vous plaît. Ouais, mon chouchou, plus de stress. Allez, bleed et meurt. Bleed et meurt. Mais putain, mais... Ah voilà, bleed et meurt. Et là, ils refont un gros slime, c'est ça? Normalement, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on va avoir re... Ah voilà, crit à 18, va bien niquer. Bien! Pourquoi il n'y a pas que des combats comme ça? C'est formidable. Trifling victory. But a victory nonetheless. And I'm a traveler, I'm gonna follow the sun. Yeah, I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. Je vais jeter cette merde, j'en ai pas besoin. I'm gonna follow the sun.
I'm gonna tell my mom. Il bite que quand c'est son tour, Zera. Ouais, ça va. Oh merde. Oh. Alors là, je suis pas très bien. La goule va me procurer ma stress. Je me casse. Je me casse. Comment on fait pour se casser? C'est là. Je me casse. The sin is not in being outmatched. Non, je me casse. Je me casse. Vous êtes sûr? Vos héros auront le stress de la défaite s'ils s'en vont maintenant. Ouais, ouais, c'est pas grave. 7000 goldes. Un petit peu de portrait. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est de la merde ça. Ah, ça, c'est de la merde. Bon. I was lord of this place. Before the crows and rats made it their domain. Putain. On va faire la pause, on va voir ce qu'on va gérer après. A tout de suite. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On revient. Oh putain, horrible quoi.